Le Festival Paris Sciences, du coup, c'est un festival qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Il y a un volet scolaire et un volet grand public. Et pour le scolaire, on organise plein de séances pour les jeunes du CM1 à la terminale. Et le but vraiment, c'est que les jeunes rencontrent des scientifiques et des réalisateurs, réalisatrices ou les personnes des équipes des films. Et tout ça nous permet de sensibiliser les élèves à la science, aux problématiques de la recherche à travers l'audiovisuel. Écoutez ce qu'on va faire. Une fois que le silence sera un petit peu revenu, pour que tout le monde m'entende, c'est qu'on va pouvoir regarder le premier film. Le premier film, c'est un film français qui s'appelle Dérive, qui dure 15 minutes. Je ne vais pas vous en dire plus, on le regarde. Et ensuite, le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment que vous puissiez dire tout ce qui vous passe par la tête. Cette séance, c'est une séance qui s'appelle Science en cours, histoire de déchets. On projette deux courts-métrages de fiction. Et il y a des scientifiques qui sont invités, qui sont assis dans le public, au milieu des élèves. Ils ne connaissent pas les courts-métrages qui vont être diffusés. Ils les découvrent en même temps que les élèves. Et le but, c'est de créer collectivement des réflexions sur ce qu'ils et elles auront vu. Moi, ce que j'ai compris du film, c'est que ça nous explique que chaque jour, on marche sans savoir, on émet des particules de plastique qui sont dans nos aliments. Du coup, c'est une séance qui, en général, est assez surprenante parce qu'elle est basée vraiment sur les réactions des élèves, leurs préoccupations. Et les scientifiques viennent apporter aussi leur regard de citoyens, mais aussi éclairés par leurs recherches. On voit tous ce message de l'alerte sur les plastiques qu'on ingère et qui ressort beaucoup aujourd'hui dans la presse, dans les médias, notamment les effets que ça fait. Le plastique, tu l'as bien dit tout à l'heure, une carte bleue, donc c'est 5 grammes de plastique, mais c'est pas par an, c'est par semaine. C'est une bonne expérience du coup d'aller rencontrer des élèves, donc là c'était des élèves du lycée, d'être avec eux dans la salle et de visionner quelque chose et après d'en discuter avec eux. C'était vraiment super d'être dans la salle avec les élèves sur les strapontins, non pas devant comme des experts. Et puis moi ce qui m'a marqué c'est la variété des remarques et aussi parfois des remarques quand même très très pertinentes. Hein. La question que tu posais c'était c'est quoi les fins? Moi, je trouvais que c'était aussi l'affect, c'est-à-dire que prendre soin des déchets, les ramasser, etc., bah, c'est pas toujours agréable. Hein. C'est des questions de répétition, c'est des questions qui ne sont pas forcément valorisées. J'ai trouvé que c'était un format qui convenait très bien aux élèves, en fait, parce que on a pu échanger, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Je trouve que ces courts-métrages suivis d'une discussion possible avec eux, ça, c'est vraiment intéressant, en fait, ça fonctionne bien.